Les deux mots que je mettrai en avant pour définir ma démarche actuellement, c'est réparation et médiation. Ça, je crois que ça résume assez bien ma démarche. Il s'agit de réparer les choses pour qu'il puisse y avoir médiation, justement. C'est ça le paradoxe. Si je restitue la cohérence des choses, à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y a des lignes de clivage et des frontières, et que pour traverser ces frontières, il faut des médiateurs. Il faut de la médiation. Il faut toute une population qui soit consacrée à la médiation. Et c'est ce que je suis en train de dire depuis quelque temps. Ces médiateurs qu'on a pu appeler des secrétaires, des assistants, des aides, etc., doivent qu'ils soient conscients de leur rôle, à savoir qu'ils permettent d'éviter le contact direct entre des groupes qui ne sont pas censés communiquer entre eux, mais qui vont pouvoir le faire grâce à la médiation, grâce au médiateur. La réparation, c'est le fait justement de nettoyer tout ça, de nettoyer toutes les corruptions, de nettoyer toutes les déviances, de nettoyer toutes les fausses représentations, les fausses projections. Et une fois que tout ça a été nettoyé, on s'est pensé qu'il y a bien des lignes de partage. Et c'est là que la médiation prend son sens.